Comment ajouter un sondage à un courriel? Très facile. Nous avons notre utilisateur Tom Cruise ici. On clique sur Nouveau courrier. On choisit un destinataire, Luke Skywalker. Un objet, sondage. On clique sur Insertion. Vous avez un bouton sondage. On clique sur sondage. À la droite, le formulaire apparaît. On inscrit la question. Votre dessert préféré. On inscrit les choix. Donc, biscuit et jello. On peut ajouter d'autres options et on peut aussi transformer le formulaire en multiple choix. On fait suivant. On a un aperçu du formulaire. Je fais ajouter au courrier. Vous avez votre formulaire qui apparaît dans la section du corps du courriel et on fait envoyer. Et voici comment le formulaire apparaît. Vous avez vos deux choix et vous pouvez voter. Donc, je vote biscuit pour Tom. Et si je m'en vais voir Luc. Luc reçoit aussi le formulaire. Je choisis Jello pour Luc et je fais voter. On voit ici que les deux réponses sont inscrites au formulaire. On retourne ici. On fait actualiser. Et vous voyez les dernières réponses entrées pour la question. Si vous voulez aller voir les formulaires que vous avez construits au préalable plutôt que d'aller dans les courriels que vous avez envoyés, vous pouvez toujours aller sur le site forms.office.com. Vous allez trouver dans la section « Mes formulaires » ou « My Forms » tous les formulaires que vous allez avoir créés ou tous les sondages que vous allez avoir créés vont être ici. Vous pouvez cliquer sur votre sondage. Vous avez le formulaire, vous avez les réponses avec les statistiques et vous pouvez même exporter en fichier Excel les réponses. Et voilà!